Les États-Unis décident pour le bail Ariel Henry à toute gang illégale pareil lio yo ti tap. Étape ça pas caché dit nous, li gen gros répercussions parce que là, li commencé touyer rêve Ariel, li commencé touyer rêve acolyte Ariel qui dans gouvernement qui a plein poche sur d'autres petits peuple. Et pour population haïtienne, répercussions eux-mêmes sont gros doumgal, sont gros coup de prêt nous prend par rapport avec Jean situation pralé là. C'est sûr que ou ta remé kon ki sa bagay lan ye. Et bien déjà Mabdou ou pral fè saisissement. Tout marché a ti godet de l'autre côté ou parce que gen bagay pou konnen, gen bagay ki pral étonné ou. Ancien sénateur Moïse Jean-Chol pa bon côté pal. Matin, ce sénateur li endiablé. Ba konn ki loi monte nan tête sénateur. Eh bien, matin là, malgré un pile moun, fait konnen que Moïse Jean-Chol a supporté pouvoir Ariel Henry. Et surtout, après ça qui t'est passé dans la ville Cap-Haïtien 18 mai passé, un pile doute, gen moun ki gen pile doute sou Moïse Jean-Chol. Eh bien, matin, Moïse Jean-Chol, non seulement li lave, bien lave Occident, mais c'est ça oublié le pas dit Ariel Henry. Bah ça moi-même me saisi m'étonné m'pantant. M'bral gagner pour m'partager tout détail si là avec vous puisque faut qu'on t'endel à des oreilles. Finalement, après un pile critique, après un pile exhortation, eh bien, yon parti dans secteur privé a finalement décidé sorti dans silencio. Réagit sous question insécurité qui a ravagé pays côté en pile moun a couru quitter kayo par rapport avec action gang action bandi. Mais on pral saisi tande position que yo prend. Mais ça qui plus grave là, ça qui plus grave là pral gen pou mwen lo toujours, c'est que gen yon nan moun qui fait partie de conseil d'administration Amcham qui sorti note là ou secteur privé, eh bien, lise même pouvoir Ariel Henry. Mais nouvelle là. Rete là ou pral jwenn tout détail. Bricouri, nouvelle gaye, gen l'autre transition qui pral rive là et la bout jusqu'en 2025. Qui en pile inquiétude par bon côté population, mais en pile même dans diaspora pose tête question qui ça nèg yo vle faire pays. Au pays pas qu'à fonctionner, c'est transition sous transition seulement. Eh bien, officiellement, je dis en là, gagne délégation CARICOM non, qui rencontre avec famille Lavalas, qui rencontre avec représentant même parti politique aidé, qui rencontre avec représentant comme Montana, Fritz Alphonse Jean, et qui rencontre avec Force Louverturienne, et qui a gagné pour rencontrer avec représentant collectif 30 janvier. Nous prenons le pour nous partager toutes les informations et tous les détails avec vous dans bon petit marmite. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? M'espérez nous en forme, m'espérez nous parer, nous bien préparer nous là pour l'émission jeudi. Hein, puisque nous avons pile d'informations pour nous partager avec vous des faits saillants qui a dominé l'actualité. Hein, et c'est des bagages que vous méritez qu'on ait. Mais bien avant de nous rentrer dans l'émission pour jeudi, hein, faut moi dire moi porter une grosse surprise pour mon gros coquin chaîne surprise pour nous mes amis. Je n'a regardé la photo là, n'a regardé photo nous ouais deux belles moun. Depuis là on regarder moun yo senti gon l'amour, prendre gon la joie, gon cœur content. Eh bien, c'est pasteur Misel avec pasteur Marie-Denise Josias. Deux moun sa yo Marie Ceinture, on pral connait deux moun sa yo. Jodi an la, yo a fêté 37e anniversaire de mariage. 37 ans mariage. 37 ans de vie commune. 37 ans côté que on seul mari, on seul madame. Aïe aïe aïe, c'est pas facile. Parce que j'en ouais monde là qu'on y a là, pas facile. Mariage, et c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Moun yo plus divorcé, yo plus divorcé que yo rete marié. Et le n'ap gade moun zan yo, nou ouais. Gen un sentiment d'amour et gen bonheur, gen cœur content, etc. Malgré depuis c'est mon amour qui a toujours bien fâché, tombé levé, etc. Mais 37 ans mariage, ce n'est pas 37 mois, ce n'est pas 37 jours, c'est un pile temps ensemble. Et dans notre équipe, là, on a souhaité
et pasteur Misel avec et pasteur et Josias, Marie-Denis Josias, et pour nous, ouais, on gagne plus année mariage toujours. Pour bon Dieu, mettez plus temps de vie commune dans mi temps yo, pour gagner plus l'amour, plus respect, plus et volonté pour yo rester ensemble, pour yo partager plus bagay ensemble. Donc, continuez dans même ligne, nan, kembe dans la prière pour bon Dieu, bah nous plus temps de vie commune ensemble. Et moi même temps mais personnellement hein, pour nous partager secret avec moi secret 37 ans parce que m'ta remen joine une bénédiction ça tout parce que m'pa cacher dit nous et mon cher il pas facile à gérer hein? Donc partager secret de vie commune noire avec moi et me penser ça a aidé en pile et moi même en retour m'a partager là avec quelques autres monde. Donc mes amis, mettez encouragement pour moun yo, souhaitez yo ba yo partager avec eux des souhaits là en bas live là, parce que ça fait en pile plaisir. Et n'a pas rentré dans information yo, nous porter en pile information pour nous jeudi en là, nous obliger rentrer dans information yo rapide vite. Et j'en t'ai annoncé et dans commencement émission hein, eh bien gagner secteur privé a après en pile et critique côté que yo pas jamais parler, yo pas jamais prend position sur ça qui a passé dans pays hein. Yo pas jamais réagi sur insécurité, sur question gang, sur question bandi. Et bien finalement là, et gagné yon note de presse qui sorti. Gagné parti, c'est pas tout, gagné parti et dans secteur privé là qui publié yon note pour la presse côté que yo prend acte de insécurité, de question gang, de question bandi qui a ravagé société. J'en ai regardé là avec moi et sur écran nous, c'est Amcham Haïti qui publie notre ça. Amcham Haïti, c'est chambre commerce américain en Haïti, qui regroupe divers gros businessmen, en pile entreprise en Haïti. Nous prenons le gain pour un bon détail sur ça, parce que il y a un monde qui est même gouvernement Ariel Henry en un moment là. Qui ça notre lundi? Amcham Haïti note pour la presse, on va regarder là avec on appli là même tout. Chambre commerce américain en Haïti, Amcham Haïti, observe dans la peine à désolation. Détérioration rapide situation dans le département Latibonite et le département Centre. Côté mouvement insécurité a grandi et puis brisam automatique a fait choral dans oreilles yon population qui déjà vive mal. Nous condamnons à toute force zak violent sa yo que population a contre chaque jour depuis plusieurs années et puis qui vient pire pendant semaine sa yo. Attaque contre civil, attaque kidnapping, massacre qui fait dans Canaran sous fidèle l'église piscine Bethesda pendant marche pasteur Marco t'a dirigé 26 août là. Destruction installation compagnie tropique ça ensemble à compagnie sous nos taux dans tabac. Pour nous citer ça seulement. C'est une série zak que nous pas ka tolérer. Divers attaques gang ça vient faire dans la Tibonite. Ak attaque sans campé criminel grand avine fait sous moun kafou feuille qui force moun zone sa yo kite la kayo sa yo tout nou pa ka accepter compatriotes nou yo ak pile lot moun ki a vive zak violence sa yo pendant trop longtemps lagé pou kont yo et yo mérité si po. En face la mise kap déchire citoyen pareil nou yo nou mande gouvernement pour le prendre responsabilité. Peuple haïtien bouquet à toute l'année souffrance sa yo. Yo mérité yon pi bon avenir. Lè arrivé pour dirigeant nou yo comprendre que c'est responsabilité l'état pour protéger citoyen li yo. Et puis pour yo montrer bon jan leadership pour camper en face vent insécurité qui envahit toute population. Nous mandons autorité yo pour yo appliquer toute disposition qui nécessaire pour rétablir l'ordre et sécurité dans le pays. Yo façon pour éviter gros tragédie humanitaire ça cap dessiné devant nous. Pétionville, 5 septembre 2023, conseil administration. Donc son note qui publié qui sorti hier mardi et 5 septembre 2023. Ça, je veux comprendre. Nous avons longtemps demandé secteur privé pour yon prendre position, pour yon
et positionner par rapport avec insécurité, vague violence qui gagne, gang qui terrorise la population, en pile entreprise, des séries de gros businessmen, des séries de gros nègres nous considérer comme oligarques en dedans pays. Business yo, entreprise yo, c'est dans quartier chaud, c'est dans mitan groupe gang yo, dans mitan bandi yo, chaque jour yo descend dans l'activité yo. Chaque jour, yon descend dans la occupation, yon business yon a fonctionné, produit a sorti dans la compagnie Alvan sous marché, malgré que yon a pas pauvri, gang a pas pauvri population, pas gen l'argent, oui, mais produit continue à sortir. Donc, business yon a marché. Nous te dit, faut que yon parle, faut que yon dit, parce que nous même nous pouvons pas comprendre ce qui a passé. Eh bien, finalement, l'homme cham mette notre pour la presse à lui, bon, bah, qui a attiré attention. Signature au conseil d'administration. Moi même mal chercher information puisque si n'a pas ton information ba ou fok information li ka complet. On y a nous font coup de pied pour aller chercher qui est-ce qui fait partie de Amcham? Qui est-ce qui fait partie de conseil d'administration Amcham là? Et bien dans conseil d'administration Amcham là, gagne plusieurs membres. Gagne Jean-Philippe Boisson comme président qui se groupe comme il faut. Gagne premier vice-président Brian Gonzalez qui c'est Digicel, qui c'est groupe Digicel. Gagne deuxième vice-président Manuel Dehush et Deskiron qui représentait on l'autre compagnie qui relait Euroceram Plus. Gagne trésorier qui c'est Deborah Stock pour Citibank. Gagne et secrétaire qui c'est Rudolph Gonzalez pour Marimex, une entreprise en Haïti. Et puis gagne Mob Michael Lemko et Enmaka. Bon, bref. Et puis, gagné, yon l'autre membre qui c'est Laurent Saint-Cyr, Alternative Insurance Company. L'homme tombé sous non ça, Laurent Saint-Cyr, dit oh, mais ça, Laurent Saint-Cyr vient faire là. On y a nous monté dans relation ACT, dans composition ACT. Même Laurent Saint-Cyr, c'est lui-même qui composait ACT. Et pour rappel, le ACT est monté, qui c'est au Conseil de transition, secteur politique, là, t'évoyé en membre, secteur protestant, t'évoyé en membre, et secteur privé des affaires, t'évoyé en membre. Eh bien, drôle de coïncidence, Amcham sorti yon note pour la presse, pour yon constater insécurité, hein? Pour yon constater et Jean gang a mette moun de yon la kayo, Jean bandi a touye moun, ka kidnapping nan ki augmente, et capacité et pouvoir l'État, manque de leadership, autorité nan l'État yo, Amcham soti yon note. Mais, non note sa ke yon soti yon, la pral yon ti jan compliqué, parce que c'est comme si genye au conflit d'intérêt. Secteur privé a pren note de insécurité, hein? Laurent Saint-Cyr comme membre conseil d'administration et comment te ka dit ça, li ba avali, li avalise sa fèt là, li campé derrière sa fèt là la nan Amcham. Alors que nan au conseil de transition, malgré gen forum qui te fait sur sécurité, malgré gen des propositions qui fait, jouk nan moment n'a parlé à la au conseil de transition, madame Aniga, Laurent Saint-Cyr, Calix Fleuridor, yo pa jam regle rien de concret pour aider résoudre problème de sécurité en véritablement. Yo pa jam regle rien de concret pour aider résoudre ça gen là en dedans pays. Et li même encore pendant que ACT c'est une structure que Ariel Henry créé, c'est pouvoir Ariel Henry qui mette yo. Moi me considère yo comme des alliés du pouvoir en place. Kounya li même encore non l'autre bord. Non, l'autre secteur, l'autre groupe, on a constaté des gars, on a constaté des rives. Est-ce que Laurent Saint-Cyr se banante tel a passé moun? Oui, il faut que vous constatez, mais il est évident que Laurent Saint-Cyr soit l'irrité dans la CT ou bien l'irrité dans le secteur privé. Parce que, ou pas, pendant nos secteurs avec un groupe qui l'a pour porter solution avec un problème, qui l'a pour chercher des alternatives avec des pistes de solution pour résoudre un problème, et puis qu'on y a non l'autre bord ou pas pour solution, et puis non l'autre bord pour constater problème, non? Ou non, bon côté que nous supposons porter solution avec ça gain là comme insécurité, ça gain là comme crise politique, pour nous retourner dans l'ordre constitutionnel, pour gagner des élus en dedans pays, en tête pouvoir l'État, nous échouer, nous pas qu'à faire,
En tant que membre CT, ou pas arrivé à bout, ou pas caractérisé, et puis on l'autre bon, comme membre secteur privé, ou a constaté des dégâts, ou a dit que c'est responsabilité de l'État pour prendre décision, etc. Mais quand tu es là, je sais que tu es décaissé. Plus de 8 millions de gouttes qui te décaissé pour bailler à CT, mes amis. Faut que nous honnêtes avec tête, pour nous dire bon à un certain moment de la durée, nous pas passer population dans tête encore, nous suspendre passer matière dans vie du peuple parce que tout le monde comprend. M'te ka admettre si moun yo pas sur réseau, hein, si moun yo pas gagne moun k'ap ba yo de bonnes informations crédibles, si pas gagne moun k'ap chercher information, t'es ka vini ni vu ni connu, on y présenter tête tout là comme on tissé et puis tout le monde bon maintenant là, y a pas comme ça. Vont virer le changer dans mes nèg yo. Ça faut que yo connaisse. Donc m'te tien ce que m'te partager et ti information ça avec vous parce que l'op gagne pour ouais et pour l'autre monde vinn a parler de mais qui notre secteur privé a mettre dehors ou bien am cham mettre dehors en groupe dans secteur privé pour au moins pour connaître que gen nèg là dedans yo kap bon kou nan do gen moun parmi et moun sa yo nan am cham nan comprendre qui nan pouvoir qui pas assumer responsabilité mais kou nya kap constater j'en a mouri j'en petit moi mouri j'ai a violé ti jeune ti moun yo. Donc ça il était important et l'autre information qui est extrêmement important encore pour nous partager. Eh bien, ligue pour ouais avec délégation CARICOM. Depuis 4 septembre, CARICOM entre en Haïti là. Monsieur Damio a fait causer. Hier, il a rencontré avec Premier ministre et de facto Ariel Henry. Nous voyons comment photo, Ariel fier pour la fête photo, puis a publié, etc. Pour yo. Oui, c'est normal. Bon, on ne va pas dire autrement. Eh bien, hier, tu as supposé qu'il y a une rencontre qui fait avec. Groupe opposition, signataire déclaration conjointe Kingston, qui gen la dan li, Lavalas, qui gen la dan li, Ede, qui gen la dan li, et Force Louverture, Akor Montana, en pile moun. Eh bien, hier, Monsieur Damio yo décidé yo boude, yo pa ale hier. Yo di reporte l pou yo, pour ce jodi, pour jodi an la. Eh bien, jodi an la, rencontre faite avec délégation CARICOM. Non, mais faut que moi di nou, gen yon bagay qui a attiré attention encore. Jodi an la, moun ki gen pour rencontrer avec délégation CARICOM, non, c'est signataire déclaration et conjointe Kingston. Non. Côté que, gon groupe acteur, yote allé Jamaïque. Yon deuxième fois côté que CARICOM te prend initiative pour faire un dialogue interhaïtien, un dialogue sincère, franc, etc. Yo a utilisé des adjectifs alors que moun yo konnen nan fond kè yo pas sincère vrai, yo konnen nan fond kè yo se poche yo vinn plein pour yo aller. Yo a parlé de dialogue sincère interhaïtien, tout moun gen objectif pa yo pour yo mette moun pa yo nan pouvoir pour yo gérer poche yo. Bon, ça nous konnen déjà, m'pa vinn révéler nous bay que nous pas konnen. Mais ça, nous reconnaissons aujourd'hui, hein? Eh bien, nan rencontre qui fait avec CARICOM, côté que gen divers structures politiques, Lavalas, Ede, et Claude Joseph, gen Force Ouverture, et Paul Ménard, gen Akor Montana, Fils Alphonse Jean, Magali Komodeni, gen collectif 30 janvier. C'est là, bagaille, l'envie de notre gens paraît un peu bizarre. Collectif 30 janvier, représentant collectif 30 janvier, qui est sur yé. Collectif 30 janvier, il y a plusieurs structures politiques là-dedans. En dans collectif 30 janvier, nous avons PHTK. Posez-vous toute question qui sa PHTK vient faire là, comme opposant avec Ariel Henry, alors que nous connaissons en pile disposition qui apprend le ministère là, que PHTK a contrôlé, etc. Qui sa bagaille là véritablement. Ou bien est-ce que l'on a parlé de PHTK? Nous pas parler de Michel Martelly, ancien président Michel Martelly. Est-ce que c'est deux bagailles différents? PHTK son structure politique, Michel Martelly bodi légal a fait affaire dans Bopal, li pas inclus dans PHTK. Eh bien nous connaissons Linné Baltazar qui c'est une nan moun nan moment n'a parlé à la juge d'instruction qui sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, Walter Wessé Voltaire, DCPJ fait recommandation pour la grand mandat d'amener de Linné Baltazar. Eh bien, Linné Baltazar qui représentait PHTK, eh bien, jodi an la, l'a bien pour le rencontrer avec délégation CARICOM. Ça, c'est un.
Nous gagnons OPL qui fait partie de collectif 30 janvier. Nous gagnons Unir Haïti, Clarence Renoir qui fait partie de collectif 30 janvier. Nous gagnons Gré avec ancien colonel Imler Rebu qui fait partie de collectif 30 janvier. Nous gagnons La Paix, nous gagnons Mopod, ancien allié SDP qui t'a crasé béton sous Jovenel Moïse, il fait partie de collectif 30 janvier. Et nous pral gagner petite Dessaline qui fait partie de collectif 30 janvier. Quand on parle on dit je paraît flou, c'est que matin, songe me dit nous matin m'a tendé ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui en diable. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, petite Dessaline, parti politique petite Dessaline. Yo gen idée toute faite de ça nous relé délégation CARICOM là. Déjà pour yo ça CARICOM vinn faire là, c'est comme si son on va en perdre de temps. C'est pas CARICOM vinn régler mais il va vinn régler bagaille politique, bagaille pays vraiment. Parce que pour moi Jean-Charles acteur yo on dirait yo pas à la hauteur. Yo pa gen dimension haïtien nan yo, pa gen dimension patriotique lan pou yo fè intérêt pays an passé avant. Moïse Jean-Charles li maintenant tête li. Et est-ce que m'a bay Moïse Jean-Charles et bénéfice du doute là côté que li pa ta nan pouvoir réel an rien. Bon, ça son l'autre débat n'a pou faire sou li. Mais Moïse Jean-Charles li campé, li fè konnen que délégation CARICOM nan pa vinn régler anyen de politique. Il n'y a pas de résoudre le problème politique là. Et CARICOM, on dirait bien, il n'y a pas de résoudre le problème politique qui est là en Haïti. Quand tu parles de la vie, tu parles un peu flou. C'est que Ariel Henry lui-même, hier, nous t'ai parlé sur ça, nous avons passé tout bref sur ça. Ariel Henry, il a gagné un agenda politique. Chaque structure qui est citée dans le bas ou là, qui constitue l'opposition en face à Ariel Henry, yo gen agenda politique pa yo. Et m'a dit nous ça très honnêtement, c'est première fois nous wè gagné yon opposition politique qui pas comme si bataille politique li mené en son bataille politique qui médiatisé, mais c'est pour une bataille politique qui souterrain comme quoi yo organiser manifestation, chavirer pouvoir, bouler caoutchouc et moun kaze brisé, etc. Mis à bord de Moïse Jean-Charles, qui lui-même qu'on a fait manifestation, etc. Mais nous pas jamais tendé qu'on structure la mette tête ensemble pour yon dou yon pral organiser une gros manifestation là, côté Abgen Lavalas qui prend initiative, aide, et Mopod, côté Abgenye, Akor Montana, pour yon dou yon pral manifester pour mande peuple après la rue, pour chavirer pour voir rien là. Yon pas réagi sous l'ingza. Pour qui raison, moi personnellement, pas qu'on est meilleur fond bataille à l'international, comme si chercher opinion publique internationale là pour mettre l'empoche et puis yon même pour yon chercher en bas pour régler affaire pour résoudre affaire. La seule chose depuis y en a cléoné au ça. Ariel Henry, pour Ariel Henry démissionner volontairement, c'est si et seulement si international, le corps groupe États-Unis fait pression sur Ariel pour un dossier quelconque. Mais pourtant, Ariel Henry de plein gré, de propre chef, li, parce que la maintenant tête li démission la ka sauvé Haïti, ka sauvé population, non. Politicien en Haïti, façon nèg yo fè politique en Haïti, yo tout douce yo gen formule pour libérer pays. Yo tout vini yo douce yo sauvé, c'est yo libérate, c'est yo pa change bagay, c'est yo gen pi bon formule, c'est yo ka fè si, c'est yo ka fè cela. Alors que son politique, au trois que je m'y mette. Sinon, pour qui ça t'a obligé à une bataille, en transition, l'autre transition, pour jusqu'en 2025? Jusqu'en une nouvelle transition jusqu'en 2025. Pour aller contestation. Mounsa qui sous pouvoir, il y a un capté, il y a un capté, il y a un capté, il y a un que vous perdu comme ça. Pour changer constitution, pour faire élection, tout bagaille ça, c'est pour le passé. On quand même dans 2025 aller jusqu'à 2026 etc. Parce que Ariel Henry joue croquer avec nous voulons nous clair sur ça. Ariel Henry le monter si on premier accord qui est le 11 septembre. Li pat loge international mandé pour logement loge pour l'inclusif. On accord 21 décembre 2022. Dans accord 21 décembre 2022 Ariel t'a qu'il prévoit. Ariel qui t'a anticipé longtemps combien de temps l'a gagné pour le passer dans tes pays. Accord 21 décembre 2022, nous connaissons qui l'a prend fin.
yo prévoit que l'accord là prend fin 7 février 2024 côté a gagné un gouvernement président élu a gagné un gouvernement et démocratique qui a monté a gagné des élus a gagné députés sénateurs magistrats kazek azek tout bagaille yo a classé tout monde c'est a des élus yo. Mais jodi en 6 septembre 2023 bataille politique toujours corvée insécurité à la tête de liste sans compter journée jodi question ça qui très divisé société qui très partagé société est-ce que transition li doit aller au-delà de 2024 ou bien est-ce que le doit camper en 2024 mais j'en ouais l'autre protagoniste opposition yo vle l'aller au-delà de 2024 que li avec Ariel que li sans Ariel nèg yo gèt planifié comment y a mené pays à notre transition qui parle plus loin. Alors que le Jovenel, moi, toujours aimé dire, je toujours aimé faire comparaison. Jovenel Moïse, qui était un président élu, il n'a pas de café, il n'a pas de toute liberté, ça, toute latitude, ça, pour le faire. Alors que si nous suivons, Jean-Monsieur Damien, tu as mené le pays, là, là, la présidentielle, il a commencé à courir. Parce que Jean était chaud pour te demander à Jovenel fini 7 février 2021. Journée jodi en là. Journée jodi en là. Que vous voulez, que vous parlez. Le mandat président commence à courir. Mandat député sénateur commence à courir. Constitution, si c'est ça que vous avez fait sous Jovenel Moïse, dans la fait bataille politique malhonnête sa Jovenel Moïse, président député sénateur, vous commencez tant commencé à couler sous vous. Donc c'est là qui fait revenir avec la question des réformes constitutionnelles. Faut que la constitution qui change, etc., etc. Mais est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire, mais est-ce qu'il y a privé fait? Ça, nous ne connaissons pas. Il y a plusieurs facteurs qui empêchent dans ce moment-là que l'ordre constitutionnel est rétabli. Et le premier facteur, il n'y a pas l'autre que l'insécurité. Si pour un pile de monde, c'est sécurité qui doit rétablir, faut insécurité a faut que yo joigne bout li pour élection rivé faite. Eh bien pas caché dit nous le Ariel Henry li te sollicité pour gagner une force multinationale qui débarquait en dedans pays an. Ariel li te visé que leur force multinationale les blancs vini étrangers vini yo pral faciliter pour faire élection. Yo pral faciliter pour gagner contrôle et quartier yo bazio reprendre pour faire élection et ça qu'arrivé y a metté moun yo vle jan yo vle. Et bien avant même que 15 septembre arrive parce que nous connaissons 15 septembre incontournable gagner résolution sur Haïti qui pral débattre dans Conseil de sécurité Nations Unies faut gon décision qui prend faut gon bagaille qui dit pour problème sécurité en Haïti. Parce que nous, les États-Unis, lui-même, il tellement sensible pour les citoyens, il fait rapatriement, il ne veut pas quitter Haïti. Pendant que Ariel Henry, lui, va avaler, malgré la situation difficile, pour déporter les compatriotes français qui sont aux États-Unis, voyez venir à Haïti. Voyez tourner back Bali la caille. La caille, c'est la caille. Eh bien, il y a un peu de monde qui t'attend que les États-Unis proposition par rapport avec les déploiements forçants et Corée Ariel Henry à 100%, Corée PNH à 200%. Eh bien là, j'en ai regardé avec nous tout ça. Gagné Jack Sullivan, qui est conseiller à la sécurité nationale aux États-Unis, eh bien, il réagit. Qui dit une réaction conseiller sécurité nationale aux États-Unis? Il faut savoir que États-Unis pas envisagé déploiement d'une force multinationale en Haïti, mais d'une force de soutien à PNH. C'est ça qu'on sait, sécurité nationale, Jack Sullivan y rapporté, parce que mission et force multinationale, là, li pa dwe pren relais par rapport avec capacité souveraine PNH. Ça, c'est français qui a parlé. En bon créole, qui ça veut dire, qui ça bagaille là. Premièrement, qu'on doit faire, c'est que les États-Unis pas envisagé déploiement de force multinationale en Haïti. Est-ce que décision c'est États-Unis qui gagne ou bien Conseil de sécurité Nations Unies? C'est même ça le président Jovenel Moïse te kon di nou yo. Le bon budget voté en Haïti par exemple, ou jwenn ti soufflant tu yo, ou jwenn ti sou yo, sénateur député nou yo,
premier bagaille, première réaction, le budget a vint nan men yo pour yo analyser etc. Et la présidence voye le bayo. Yo prend budget a, yo couri mettre l'en bas bra, yo fourre l'enveloppe jaune mettre en bas bra, yo couri. Rele grand patron yo, rele oligarque qui finance yo. Allô patron, et la présidence voye budget a là. Moi j'ai des séries de bagaille, on va faire déficit oui. Et puis pour patron dit ah, ou comme ça pour faire déjà, potel bon moi, potel bon corriger. Et puis yo pas fait ni deux ni trois. Yo descend la caille boss, caille patron, yo pote budget aller pour yo corriger. Donc c'est même constat nous fait là. Non jour qui sont passé, yo nous tande délégation pays Kenya et rentré en Haïti, vin faire évaluation terrain, vin évaluer situation critique pays d'Haïti. Pour yo ka garder qui ça y a fait. Après boum, évaluer mission évaluation aller ou tande son question de force statique. Il n'est pas dynamique, il est statique parce que yo même, yo a seulement vini pour yo protéger port, aéroport, des séries de sites qui pas vraiment et bandi pas attaquer, yo bandi pas arriver là, etc. C'est ça, yo te décidé pour yo protéger. On petit temps après, attendez, il y a une réunion qui fait aux États-Unis, qui fait New York et les Nations Unies, il y a une réunion qui fait Washington, il y a un lobby qui fait, bon. Délégation Kenya, yo changé fusil d'épaule, yo sorti nos force statique, kounya yo dou son force opérationnelle après déploiement et militaire ou bien policier Kenya sous sol là. Eh bien mes amis, bagay yo chavire net. États-Unis chavire, c'est une des raisons moins dou rêve réel brisé là. Rêve réel pour un petit tap et gros réel pour un bon calotte marasa parce que pour Jean bagay yo pralé là, honnêtement, si un réel pas cherché en tant que premier ministre, chef CSPN, pour ne yon décider, gardez comment yon ka mette sécurité dans le pays, gardez comment yon ka achete bon équipement pour PNH, pour population, pour peuple haïtien, si span kouri pour bandi, m'bo garanti, si c'est États-Unis, Canada, la France, Napton, et Napton Kenya vin résoudre un problème pour nous, on merde pas fait. On merde pas fait. Parce que qui s'allie? Yo dou États-Unis pas envisager déploiement en force militaire multinationale en Haïti. Ça veut dire dernier mois, même l'autre des bagages sorti, li sorti royal passé CARICOM, li passé Kenya vini etc. l'entrée des Nations Unies. Vous dernier mois c'est États-Unis qui a gagné. C'est eux qui a finalement déterminé comment la fête à comment elle va faire. Oui, Conseil sécurité des Nations Unies a gagné pour voter pour Haïti. Même gens État, même genre la Chine, la Russie qui a utilisé veto contre un déploiement et en force multinationale en Haïti, États-Unis lui-même a décidé d'utiliser veto pour dire mais comment de manière spécifique lui de fait. Parce que chaque monde qui a intérêt par yo, yo veut défendre en Haïti. Chaque monde qui a intérêt par yo, yo a protégé en Haïti. Problème de sécurité à moi honnêtement. Baga yo patap jam rive kon sa. Baga la patap jam rive grave pou y senti kon sa. En de dan peyi ya. Si genye de responsabilité, autorité ou te kon assume à l'avance. Mwen tombe sou mon vidéo. M'pral partage la avec ou. Et ou pral pren choc. Parce que wap gade, se pa kounyan, se pa niyen, ni jodi yon. Genye yon ensemble. Genye a ge sonet da lam nan kap sonne. Yop sonne klocha. Bon ba yon kap passe en Haïti la. Fok nou kale genou. Fok nou vivi lan souli. On merde pa jan fèt. Genye ancien DG la police, Michel Angeléon. Mal tombe sou vidéo ancien DG. Kote ke yo te konvoke li. E nan parlement haïtien. Et par rapport à la situation et d'insécurité qui te genye à l'époque 2019. Eh bien, dans prise de parole, Michel Angeléon, lui fait un ensemble de déclarations choc. Bon, fin qui t'entende ancien DGA, et puis moi-même, je vais faire commenter avec vous, je vais analyser avec vous pour qu'on comprenne ce qui a passé en dedans le pays. Est-ce que réellement, il y a une volonté pour résoudre le problème de sécurité, que par bon côté international, que par bon côté acteur interne? En nous garder tant dès qu'il s'agit de yon tap. Plus de 300 000 armes en circulation. N'a pas de sécurité. Quelle est la responsabilité de la PNH dans la circulation d'autant d'armes dans le pays? Un cadre entre nos dynamiques de régularisation, Zamio. Mais côté au passé, nos ports, nos aéroports,
nos frontières terrestres. Faut gagner contrôle qui exerce et contrôle ça pas seulement PNH. Il n'a étonné pour nous, il n'est pas vraiment PNH. Je dis avec notre police frontalière, on est prêt à supporter les entités chargées de faire ce travail. Il y a des ports ici que ni entité ça ni la police pas là. N'a pas les sécurités. Oui, il y a des ports que l'État et autorité pour exercer contrôle lui ou pas là. Donc, qui vient demander si n'a pas parlé de sécurité, un kabab saisi zam et puis tout zam continue à rentrer. Un kabab saisi zam continue à rentrer. Récemment, moi rencontre avec homologue de la Dominicaine. Li ban yon nouvelle que alors que notre tête tout le monde s'est contre la tête fait, li dim tout le monde te comprendre que c'est échange qu'on a fait, c'est haïtien bay aux zam. Yo même, y a bay drogue. Comme ça? Mais li dim non. Suivant statistique par yo, c'est yo même qui a ban zam. Contre pièce moto, contre pièce machine, contre moto. Ba nous âmes et nous-mêmes, nous ba aux moto, nous ba aux machine. Maintenant, ou gen 4 rentrées officielles au niveau des frontières terrestres. Ou gen 96 lots non officiel et la donne des 36 qui ont accès en véhicule et nous seulement présents dans 4 sacs officiels. Donc n'a pas parlé de sécurité. Donc pour me contrôler réellement dedans, faut me capable assurer que me contrôle toute porte, tout orifice d'entrée et de sortie. Donc, on a compris que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Je dis au niveau de la direction générale, il y a des dispositions qu'on prend pour nous capables justement exercer un contrôle sur les agences de sécurité, sur les questions âmes. Mais nous pas bête nous menti si n'a fait contrôle faut faire contrôle là dans tout niveau. Gen honorable qui se dit là que 80% sénateurs qui armé d'armes automatiques côté ou acheter yo côté ou joindre yo même si non cadre d'entraide pour aider Mabouti en enquête moun qui vend nous en fait me connaît parce que c'est pas rou seulement le vend ni vend plusieurs. Voilà, nous sommes gardés dans des anciens DG la police, Michel Angelio. Nous avons plus le remarque. Commentaire à plong. Parce que là, nous en 2019, c'est un samedi, non, 2019. 2019 à nos jours, bon, bien avant, Michel Angelio était prêt à tête DG la police. Il est évident que point frontalier, yo, limitrophe côte nous, zone là, mais côté trafic d'armes, trafic munitions en fait, nous pas contrôler yo. Sous Gédéon, yo pas contrôler et après Gédéon jusqu'à journée jodi là, on pas quoi l'état haïtien gien contrôle yo. On pas quoi l'état haïtien gien contrôle yo. Ça qui officiel yo, il y a force, il y a bataille pour contrôler yo et ça pas officiel yo même. Là ou déjà ouais son pays, son savant nié, tout le monde fait ça ouvre les gens ouvre. Gédéon doit à l'époque en 2019, la parle de 300 000 âmes illégales qui tapent, qui sous sol là, qui tapent pour mener ça et là, reprendre tout le monde qui a des âmes. 2019, je veux dire, 4 ans après, pas combien on multiplie par 100, par 10, par 100, par 1000, par million, pas combien on multiplie. C'est pour faire comprendre que l'État n'a pas fait aucune action
pour yo contenir malignan non pour yo contenir hémorragie en van sang non yo pa fan rien yo kite bagay yo fin ap empirer fin ap senti du nan men yo et puis jounen jodi yo pa wè ki sa pou yo fè c'est blanc yo vle bay chay peyi an vin rezoud problèm blanc contribuye vin rezoud problèm yo même yo la comme acteur yo la comme moun ki pote ki ta dwe pote solution yo pa fon merde gon lòt bagay ki extrêmement important m pa konn sou vraiment te kaptèl le GD on dit que gen collègue sénateur qui fait konnen collègue li yo la ki nan asamble a yo gen gros galil yo yo a acheté nan men moun yo plein galil ouè jene yon sou l'vil. Si nan pa chete galil nan men moun, men se trafik zam, yè se zam ilégal yo ye. Si nou men nou achete nan men moun, li évident ke moun sa ka van nan li van nan lot moun tou. Nou participe nan trafik zam, nou participe nan trafik munisyon de dan peyi an. Maintenant, moun men, sa m dare men konne, se ki disposition jene yon te pre kont nek za yo. Mem apre ke se swa, m pa konne, dre son rapport, son bagay ka prete dan les annales de l'histoire. Ka prete nan l'histoire pays parce que te gon groupe sénateur la te enquêté pendant descend nan parlement youn tap dénoncer l'autre mais ça te dit ou al enquêté c'est vrai nèg yo gen immunité pou ko ka manye yo mais bon lè pa sénateur quand même gon lè pa sénateur malgré que yo entre nan sénat son paquet ti voix yo kal caché nan sénat kal déguisé reprendre kal déguisé en politicien honorable sénateur honorable député pour régler les affaires criminelles les affaires bandi yo affaires bandi légal yo mais jour va jour vient gon jour peuple a comprendre gon jour j'ai moun yo a calé yo a commencé ka wè que nèg sa yo pa moun c'est pour moun yo gen figi moun mais yo pa moun c'est gang yo c'est bandi yo et journée jodi an là journée jodi an la peuple haïtien commencé wè an ba nèg yo pou m pa di yo finou an ba tout gen pile nèg la m bo garanti yo pa ka retourner nan figi moun donc c'est qui ça qui te prend comme mesure sénateur qui te nan parlement là yo te convoqué Gédéon yo te convoqué parce que problème sécurité a te commencé monter volume sécurité a te commencé monter mais le Gédéon dou gen des série des points frontaliers yo pa contrôlé c'est seulement 4 officiels yo ka contrôlé l'état pas présent sur un paquet l'autre zone frontalier le révélé que gè trafic ka fait entre Haïti et République Dominicaine baïza m'a bon moto baïza m'a bon pièce machine etc. Qui disposition yo prend qui loi yo té décidé pour yo voter qui loi yo té décidé écrit pour yo voter pour yo ratifier etc. pour yo dire mais kounya mais comment nous pral gérer frontière nous mais comment nous pral gérer l'emmen nous etc. qui ça yo té fait son paquet té pas vous nous té gè nan parlement. Pour rappel, son paquet épave nous te gen nan parlement qui pas gagné pour yo faire comme c'est volé comme c'est ça bay criminel yo a réglé bay bandi légal yo a réglé yo vinn chercher immunité ou comprendre et puis sous tête l'argent tax l'argent pour nous n'a payé résidence pour yo n'a bay l'argent pour yo manger poisson n'a prend soin madame yo appétit yo et puis yo même yo nan contrebande yo nan corruption yo nan trafic zam y a touyer nous même c'est ça me veut nous comprendre journée aujourd'hui bay yo pas bien caché l'ombrite là dans encore. Gon paquet nèg ki incapable ki passe nan l'état ki la nan moment la et gon paquet l'autre incapable ki vle vin pran pou tèt pouvoir l'état tèt payan sa am clair sou li nou même kounya ki estime nou c'est des moun ki capable vraiment nou ka transcende pou peyi an nou c'est des moun ki gen intérêt patriotique ki fè peyi nou passe avant tout m konnen gran pile moun nan diaspora ki ta reme wè yo pa konnen ki ta reme wè yo implike nan vi politik an Haiti ki pare pou transcende ki pare pou batay pou peyi yo nou menm ki santi nou kapab nou kon sèl gen bagay pou nou fè ke nou regroupe tout moun ki kapab yo regroupe pou nou vin kombate kapab za yo pou vin kanpe an fas e kapab za yo parce que nèg za yo véritablement yo pa kapab yo remak m'a fè et avant que m rentre nan dossier moi Jean-Charles lan pou fini et gagné République Dominicaine qui décidé fermer frontière d'Abonne. Nan faut moi dit nous et déjà te gagné deux frontières qui fermaient et Elias Pignas fermé et l'état haïtien te mandé pour fermer frontière pas ka contrôler ça ka rentrer sortir la caillo en Haïti yo de décidé fermer bon mal passe avec gang 400 Marozo et route là pas vraiment praticable on pas presque passer là etc. disposition prend yo te fermé li. Maintenant, restez d'abonnement. Eh bien, il y a une information qui arrive à nous. Eh bien, il y a un haïtien qui dit qu'il a tué 4 Dominicains dans la même famille.
Non, même famille touye 4 moun. Et déjà haïtien ça dominicain gèt touyèl, mais ça pas empêcher que yo prend disposition yo ferme frontière. Là on déjà comprendre. Si on prend disposition yo ferme frontière yo, c'est parce que yo prend situation très au sérieux. Yo prend ça passé en République dominicaine très au sérieux parce que yo a cherché et soi-disant l'autre complice, l'autre monde qui t'a participé dans crime ça, dans drame ça. Mais ferme frontière et jodi an la son jou marché lié, c'est marché frontière et c'est marché et bilatéral là Haïti République Dominicaine et laisse haïtien rentrer sans papier à l'acheter à le vendre en République Dominicaine, yo ferme l. Déjà pour un paquet moun qui te gete pral acheter produit yo pas ka, pour un paquet moun qui te gete maintenant tête yo pral vendre là depuis matin. Dans moment n'a parlé à là, pas connait si disposition prend pour relouvrir frontière là, mais depuis matin yo te fermé frontière là, toute activité te campé, toute bagaille te campé. Moi-même, j'ai un conseil pour les compatriotes haïtiens, frères et sœurs, qui sont en République dominicaine, qui vivent en République dominicaine. Et même, il y a là encore un autre incident qui fait, une haïtienne qui est allée dans l'hôpital. Le fait que les dominicains qui passaient avant, ils étaient là, mais ils ont quitté l'autre dominicain qui passait avant, ils passaient sous lui, madame n'a pas été enragée. Li krasé bagay moun, li pren dossier moun, yo le voye jete, font paquet de désordre, font paquet de scandale. Ou en République Dominicaine, déjà qu'on a un pays qui hostile avec Haïtien. Ou non pays côté que Dominicain yo, vis-à-vis de Haïtien yo très raciste. Mette ça dans tête ou. Gon jan pou kopoto, gon jan pou ye. Ou la ka Haïtien, ou c'est étranger, pa la ka ou la ka moun. Gon jan pou konformo, gon jan pou traiter tête ou. Parce que ou déjà qu'on est, ou pas traiter trop bien. Que ou gen raison, que ou gen top, ou pas traiter trop bien. Mette sou li sou déjà illégal sou sans papier dans pays moun yo. Mba kache di nou nan drame sa ki pase dans la bonne nan, li évident que c'est pas un seul gen haïtien qui pral mouri. En pile compatriotes frères sœurs nou yo ki nan batte yo moun ki illégal yo nan moment là, c'est malmené dominicain malmené par rapport avec ça qui passé. Côté yo ran haïtien coupable responsable de la mort 4 moun nan même famille. Donc là veye côté ou met plus en République Dominicaine. Parce que nous pas gagne autorité la caille nous qui pour gérer relation diplomatique entre deux pays qui pour défendre intérêt. J'ai l'impression Haïti c'est seul pays ressorti seul n'importe quel pays mettre cracher dans figure traiter le mal pilonner l'humilier le marcher sous lit. Nous pas gagne aucune autorité pour défendre nous dans moment là. Donc veille quand on met plus en République Dominicaine, prudent en République Dominicaine, ça est important. Avant de rentrer dans moi Jean-Charles, il faut me rappeler nos projets rentrer des classes. N'importe je ça, il faut nous parler des projets, on pas ca quitter projet à dormir, on pas ca quitter projet à mourir. Ça est extrêmement important. Il est extrêmement important. Projet on connaît déjà, c'est supporter ti moun yo k'ap gagner pour aller l'école. Est-ce que en octobre on va aller l'école? Est-ce que c'est en janvier on va aller l'école? N'importe l'heure on va aller l'école là, nous même nous voulons pour nous supporter yo, ba yo de quoi, ba yo équipement, ba yo valise, ba yo livre, ba yo plume, ba yo cahier pour yo aller l'école. Donc, m'ap tann support c'est pour supporter m nan projet. C'est yo pour bon mon coûte men nan projet a. Bagay yo difficile c'est vrai. Mais en pile chay pa lou, donc pas négliger les m'écrim dans numéro émission. Je ça toujours fait chaque année, j'ont toujours aidé me faire chaque année pour dire Yannick, mais comment m'a supporté projet, mais comment m'a contribuer dans projet à Anissa. Et déjà m'a dou merci, m'a tant de support, pas négliger fait ça. On nous rentre dans dossier Moïse Jean-Charles. Comment Moïse Jean-Charles comprend le pouvoir yel là dans moment là? Comment Moïse Jean-Charles comprend pays occident qui a supporté Ariel, qui continue à supporter Ariel dans ce moment-là? Eh bien, Moïse Jean-Charles, il va le répondre. Diaspora, nous, même matin, avant même nous entrer en profondeur dans l'émission, là, il faut que nous-mêmes, petite Dessaline, Moïse Jean-Charles particulièrement, nous protestons solidarité avec les populations qui vivent dans la zone métropolitaine. Nan. Pas si vraiment, les gens qui font feuille, les gens qui font pistache, les gens qui vivent dans la zone tabac, les gens qui vivent dans la zone la plaine. On dit que toute zone métropolitaine, les gens qui n'ont pas de vie encore. Les gens aujourd'hui, qui passent trahi sur la place publique et qui quittent les cailles, les gens qui déplacent, les gens qui ghetto, les gens qui classe moyenne, soit de classe moyenne, aujourd'hui, ambition crasée. Les gens qui ont
on côté on bas insécurité, on un gros petit yo, on le côté la droite à petit yo, on le côté yo pas qu'on un pour relayer. Matin, Haïtien yo, monde qui vive Balatibonite, que dirigeant politique, monde élite économique, monde pouvoir, mettez monde ça yo, sous supervision ambassade yo, mettez monde ça yo tête en bas. Monde ça m'a dit nous, nous pas gain l'autre choix. Pas gain en yem te ka di nous encore. Nous manifester. Nous prendre décision. Ça son ka di nous peuple haïtien. Pas gain espoir pour nous que tout le monde préparé et prêt pour défendre nous parce que pas gain espoir pour nous encore. Maintenant, moun ka soufè yo, moun dans l'autre zone métropolitaine, yo même a subi en bas mais toute sorte de monde en dan payant nous pas gain mot alors que pas gain dirigeant incapable dirigeant sont pas qu'être nul pas gon mot qu'a dit et on en a couru après la main dirigeant content yo pon prétexte gain sécurité pour pays non seulement démocratie mais pour continuer rester sous pouvoir dans tête pays. C'est la désolation. N'a pas arrivé là monsieur Jean-Charles Moïse sous question monde qui déplacé à cause nèg exam qui a chassé au propre caillou mais en essayer d'entrer Dieu garder et présence délégation CARICOM ça qui dans pays a et Jamaïque t'est lancé Jean-Charles Moïse bat la petite Dessaline bat la yo t'est venu en deuxième fois et Jean-Charles Moïse toujours abonné absent ensemble avec toute équipe li. Ça fait troisième fois dans rhétorique dialogue ça cap déroulé en balobédience CARICOM Jean-Charles Moïse par là est-ce que ça pas traduit on refus bon côté leader ensemble avec équipe li pour dialoguer l'en considérer que jodi a tout le monde parlait yo dit c'est seulement bon chita parler sincère entre acteurs haïtiens qui ka aidé nous sortir dans crise plusieurs dimensions n'a connait là. Bien. Johnny Ferdinand, on dit clair, oui. On pas dit on chita parler, non, ou même. Compliment, mon cher. On dit on chita parler sincère. Ha! On dit tout bagay là, oui. Dès vous finissez, on chita parler sincère. On pas besoin de dire encore. Compliment, mon cher. Bien, chita parler. Mais c'est pas chita parler sincère qui gagne. Nous voulons pays à comprendre bien ce qu'on fait là. Peu pas ici. Son pays yon vann sou nou. Peuple haïtien, y'a délogé nou. Y'a bon nou passeport pour nous quitter pays nou. Pendant ce temps, yon propose, yon vini. Yon vini négocier. Et bien, toute négociation ça, yon Johnny Ferdinand. L'aime fin de taille pour, ou pas le salir, oui. Par exemple, quand yon commande de bagay, réforme constitutionnelle, réforme institutionnelle, en cas de débagay sa yo Ferdinand, pour être de coquin moun sa yo. On prend réforme constitutionnelle là seulement. Soit fait. On va le remettre ça par le point. Dans le premier temps, on va le point initiative réforme constitutionnelle là. Faut qu'on texte qui est adapté. Là, on prend pile temps pour écrire. On prend décision pour faire une convocation pour convoquer le peuple en ses commissions. Ou gagne pour définir stratégie pour faire mise en œuvre là. Ou gagne pour prendre temps. Ou gagne pour promulguer. Et ensuite, faut que nous connaissions. C'est l'instance qui peut valider. Faut gagner. Ça ne relève au Parlement. Alors que pas un Parlement. Laissez-le pas gagner. Il y a une assemblée constituante. Ça veut dire qu'il y a une assemblée ad hoc. Qu'on y a. L'autre décision. Pour faire tout pareil, ça y est. Regardez combien de temps ça va le prendre pour vous. L'on finit. On peut tomber dans sa réelle. Réforme institutionnelle là. On peut réformer l'économie. On peut réformer sa réelle, la justice. C'est la justice là. Regardez combien de temps ça va le prendre pour réformer. Ensuite, on peut réformer sa réelle, éducation, santé. Regardez combien de temps ça va prendre 6 ans, oui. Et pour qu'on qui moun moun sa ose, dit qui moun a tête bagay la, Ariel Henry. Mes amis, qui moun qui est garé, tout chita attendre ou ekap fait yo, yo pa vise l'autre bagay. Qui sa yo di? Yo di yo pa le mette de moun encore na achete. Le mette de moun na, sa pa le fait 5.
et qu'on y a Ariel pour rester en place. Est-ce qu'on va moun sa yo seye? Nous-mêmes, Jennifer Dina, Gaye Diesel, on lè nan consolidé, on lè nan légitime sa ka fèt lan, nous préfère boutel, et puis nous dénoncer sous place publique, et nous demander à Haïtien yo, mais qui bon, yo vle mène nous. Pour Haïtien, on connaît, tout de suite avant de ka fèt, monte de son yo, pas gen yon qui en faveur nous. Sal bagay, étant donné que l'Occident, ouais, élite économique, ouais, pouvoir, ouais, ils n'ont pas gagné l'élection, pas un candidat pour affronter le terrain politique. Ils ont essayé en élection au second degré à travers Montana, ça n'a pas marché. Je dis, ils ont venu avec l'autre formule, qui donc, ils ont vu CARICOM devant pour venir se faire chiter à parler, et c'est CARICOM qui osait, qui dit, nous allons mettre ton gouvernement de salut public. Depuis que le gouvernement de salut public, vous avez qui secteur. Je dis, nous-mêmes, Johnny Ferdinand, pas quoi? Non, nous avons intérêt à cautionner ça qu'a fait là. C'est ça qu'a fait. C'est à nous. On va pouvoir présenter dans le bagage ça. C'est à toi, Jean-Charles. Et sous, il y en a un point à aborder là qui c'est question de réforme constitutionnelle là. Est-ce qu'elle n'est pas nécessaire? Parce que dans ça n'y est là, avec des mandats de législature déjà commencé, des mandats présidentiels qui déjà commencé, est-ce que nous sommes capables à le faire élection sans pas gagner on passe main, sans pas gagner on l'autre constitution? Parce qu'on pose des problèmes temps, mais quand même, est-ce que n'est pas nécessaire? Il n'est pas nécessaire. Comment ça va le fait? Très bien. Comment carré le Moïse Jean-Charles? Et puis, je connais ça qu'a fait là, mal cautionné. Bon, mais c'est pour ça que je n'ai pas de cautionné. Question constitutionnelle, est-ce qu'elle n'est pas nécessaire pour gagner une autre constitution par rapport à toute sa crise nous gagne là? Côté que nous déjà un mandat présidentiel qui est commencé, une législature qui est commencée. Pas faire élection à temps. Donc, comment ça pourrait le faire? Comment ça pourrait l'agencer pour que pas gagner de l'autre crise qui vient après? Oui. En aller, qui ça qui est? C'est dans la disposition transitoire, pour résoudre le problème là, et à travers même loi électorale. Là. Je dis, hein, qui ça qui passe là? Faut payer à connaître qui ça qui parle ça, qui est qui est. C'est toujours dit, mon yo, depuis 2017, nous avons travaillé, on parle de qui ça qui est là. Constitution qui a ça qui est là, le pas bon pour étrangers. Parce que la Constitution a dit, étrangers pas gain droit, gain temps en payant. Alors que, ça, on le fait notamment pour un pays Qatar, étranger, yo, madame président, ancien président, petit président, qui est dans tout le pays. Ya. Et il y a un monde qui est dans le pays, mais on ne peut pas mettre ça sous nom. Yo. Et on connaît bien, on ne peut pas de citer, on peut citer quelques noms. On connaît bien, après qu'on accord, on signe avec le pays Qatar pour venir tout ça, on mis dans le pays. Ya. Il était fait première avance avec Jovenel, Joël Moïse Baye 2000 KO dans Savandjan, avec 18 millions de dollars. Tout ça, yo, gênement, parce que, t'es yo pas pour yo, pas de conflit. Or, même si on voit la France, les gens déplacés, non, c'est des zones. Zones qui ont gros intérêt mine. Je dis, blanc, yo besoin, tout résoudre le problème, ça, une fois pour toutes. Yo besoin de faire constitution, pour yo retirer à tic, ça. Deuxièmement, il n'y a pas de passer dans le pays, nous-mêmes, nous n'avons pas de rencontre qu'un pays, blanc, besoin de fouiller dans la constitution, non. Ça veut dire, blanc, pressé pour question réforme constitutionnelle, là. Alors que nous-mêmes, celle ça qui gagne comme problème, c'est système électoral, là, effectivement, d'accord avec vous. Maintenant, question loi électorale, là, nous avons pris en disposition finale, yo, nous avons toujours pu résoudre ça. Ça veut dire, gagne de celle, Johnny Ferdinand, il est très mal. Yon esclaves qui sont au pouvoir, yon irresponsables, yon monde qui pas comprendre rien, qu'on est assez li. Nous parlons de mandat avec vagabond qui bon côté pour aller faire les formes constitutionnelles pour nous, mes amis. Si nous avons fait ça, arrivé fait, qu'on est fini, yon mette nous dehors net en d'abéya. Yon mette nous dehors politiquement, économiquement, mais qu'on y a, yon besoin éléments juridiques, yon besoin éléments juridico-politiques, non mais yon. Pour finir avec nos nets, pour mettre nous dehors dans le pays. Nous-mêmes, nous opposés à ça. Oui, nous d'accord,
capable toujours une réforme constitutionnelle. Oui, nous d'accord capable toujours faire une réforme institutionnelle. Mais c'est pas esclave ça qui l'a coupé, mes amis. Non, mais qui est-ce qui a fait? C'est notamment Jean Charles. Parce que le problème là, c'est que à chaque fois qu'il y a des changements qui pour faire soit dans par exemple dans la constitution, ils ont Jovenel de gain pour venir avec et comment ouais, ça les référendum là. Oui, référendum. Donc tout ça qu'a fait dans le pays, un groupe qui est toujours en face. OK? Donc probablement li pral veut que groupe ça pral veut c'est groupe parlant qui pour faire probablement non intérêt li qui l'a sorti dans ça. Spirale ça. Très bien. Gain ça pour nous politique là c'est pas jouer tout monde c'est pas par hasard les moi même parler ou même font déclaration. Regardez bien, moi même pas gain intérêt groupe, moi pas gain intérêt personnel, moi gain intérêt pays. Jodi ça dit dans gain de sel. Étant donné que moi son acteur. Si moi son acteur, journaliste t'a de poser une question pour qui ça 2017, m'annoncer nous pas le banon toute façon pour quitter pays. Pour qui ça 2018, m'annoncer nous gang pour pas tuer nous. Ou ça de nous dire que c'est le problème de la. C'est parce que nous connaissons le système. Non. Ça qu'a fait là. Sénateur Moïse. Pays, nous venons de bien ça bien là. Nous avons dit qu'il y a des ghettos, il y a des quartiers, il n'y a pas de problème pour qui ça. Nous avons dit le problème qui est lié. Il y a un problème tech qui est posé par rapport à l'international. Deuxième, il y a une question des BRICS que les États-Unis peuvent pour Haïti pas prendre route tard. Troisième, qui est lié. Les États-Unis pas t'arrêter, je veux dire par rapport à ce qui a passé dans le continent africain pour nous développer entre Haïti avec la Russie. Là, les États-Unis intéressés pour changement de constitution, les États-Unis intéressés pour question réforme institutionnelle. C'est pour tout. Nous ne cap courir, monter, descendre, insécurité. C'est pour tout bagaille ça. Yo. Les États-Unis perdent le contrôle. J'en te comprends pas que c'est facile par rapport à Haïti et même ce qui a passé dans continent africain, ça arrive dans le pays Mali, ça arrive dans le pays Zimbabwe, ça arrive dans Burkina Faso, Niger, c'est ça. Ça veut dire, les États-Unis perdent le contrôle de la situation et pour qu'ils aient récupéré ça, ils ont besoin, ils ont obligé de créer violence. Violence, ça. Je veux dire, on va essayer de comprendre l'origine. Origine, c'est parce que intérêt les États-Unis en jeu et ils ont besoin d'éliminer nous tous. Et combien? Même les États-Unis te fait nous courir qui te paye en aller là caillou. C'est pas bien, ils ont fait pour nous, non? Ils ont essayé de déstabiliser tout ce qu'ils ont fait. Et qu'on y a une insécurité. Et ils ont voulu imposer à elle. À long terme, pour faire projet à passer. Qui parle l'autre bagaille des païens. Qu'on y a, élite économique même tout, qui a un avantage économique. Pouvoir qui a un avantage pouvoir, mon pouvoir. Ils ont profité des intérêts américains. Qui n'est pas d'accord avec le changement. Et bien, au même temps, il y a capitalisé sur l'insécurité, hein, pour qu'il y ait un statut qu'on est là. C'est ça, Marie-Laye. Qu'on y est, hein, pour qu'on fasse d'une façon, avec beaucoup aisance, avec beaucoup fierté. Il y a besoin d'utiliser une méthode qui facilite et on fait son violence et on voit CAICOM pour venir mettre la paix, mais tout projet, c'est projet États-Unis. Par exemple, l'on voit États-Unis aller dans le bon pays Canada pour dévoiler tout le pays. Hein? L'expérience du Canada, nous tout est l'homme. États-Unis fait pas. L'homme est dans le Canada, dans le pays Kenya. Ça va être ici qu'on est, et nous déjà sous Caraïbes. L'on voit aller vers le pays Kenya, c'est pas parce que nous connaissons le pays Kenya pour aller venir, là pour porter changement pour nous, non? Nous connaissons bien. Ça, on vient faire. Hein? C'est pour le pays Kenya, et ils ont toujours fait agenda au passé, mais on sait l'objectif, qu'il y a rien sous pouvoir. Alors nous-mêmes, c'est ça nous pas voulons. Ça veut dire, Caraïbes matin, nous avons déshabillé l'Occident, nous avons déshabillé le pouvoir et l'élite économique. Donc, son agenda a gagné, pour éliminer nous tous, pour faire Haïti tourner, on paye tant qu'on paye Qatar. Paye Qatar qui tombe en pays noir, je dis, c'est un pays blanc. Tellement qu'il y a des ressources là-dedans, ils ont tiré tout ça parce que nous sommes les gens et ils ont éliminé nous. Nous-mêmes, ils ont éliminé nous dans le sable, nous manger, ils ont éliminé nous en bas insécurité, ils ont éliminé nous dans faire nos couilles qui te payent nous. Mais qu'on y est là, ils ont créé une insécurité généralisée pour nous tous, nous courir. Ils ont crasé la famille. Maman fait en bas, papa fait en bas, petit fait en bas, ils ont crasé toute famille en payant. Ensuite, ils ont accompagné avec grand goût misère. Ils ont crasé l'école vient pas gagner priorité encore pour mener mon gens. Ils
yo crasé le système répressif pour yo, et yo même crasé l'église. Mais yo veut mener nous qu'on y a avec mensonge, avec menti, nous-mêmes, n'a démasqué yo. Et qui responsabilité nous-mêmes, comme dirigeants, comme monde qui a fait politique, ça fait 10, 20, 30, 50 ans. Qui ça nous gagne comme responsabilité dans ça n'a vivre là? Parce que c'est quand qu'on dirigeant yo, son paquet de petit monde que nous mené, c'est quand qu'on paquet de bête qui a traîné. Et nous-mêmes, comme haïtiens, comme monde qui a fait politique longtemps, qui ça nous responsable? Nous-mêmes, c'est pour moi qui vini par hasard. Premier bagaille, c'est à travers l'école noire. Yo fait nous tourner esclaves domestiques, yo fait nous esclaves à talent. Ça veut dire, yo créé une situation, yo rangé cabane et nous rentrer là-dedans. Premier bagaille, yo fait nous augmenter nous. Deuxième bagaille, si vous ne pouvez pas être qui a dénoncé yo, yo met un système pour craser le visage de ça. Troisième bagaille, là, on allait plus loin. Ils ont même qu'on a éliminé nous. Physiquement parlant, ils ont fait élimination politiquement. Là, ils ont marché. Ils ont fait élimination physique. Je dis, qui ça a fait? Et ancien président des États-Unis de ville, de la Roosevelt, seule façon pour mener valider, diviser. Je dis, ils ont fait mon la ville divisée avec mon section communale. Ils ont fait mon porte-parole divisée avec mon cap. Et puis, ils ont mis des représentants. Comme esclave qui pour encourager le projet. Yo. Après, ils ne passaient pas éléments qui sont souterrains. Ils ne passaient pas éléments qui la douane pour péter fiel mon casse moyen qui a fait business. Ils ne passaient pas les journalistes pour créer des visages au sein des mondes. Ils mettaient la police là pour éliminer au sein des mondes. Ils mettaient ça dans le ghetto là pour éliminer au sein des mondes. Littéralement vrai, Johnny Ferdinand. Littéralement vrai, Gaëtien Sel. On va jamais, et pas parce que je me baisse dans ça, non, on va jamais t'en aller. Yo kidnappé un bourgeois dans le pays. On va jamais t'en aller. Yo kidnappé un ambassadeur dans le pays. Ça veut dire, kidnappé dans le pays. Je dis à nous qu'à comprendre ça, peuple haïtien. C'est fini, fini avec nous. Mais maintenant, sur l'antenne Radio Caraïbes, faut me dénoncer ce qu'on fait là. Oui, Gaëtien Diesel, ou qui a raison. Littéralement vrai, ou qui a raison. Yo convoqué nous les ouvrés. Yo chita avec nous les ouvrés. Mais laissez-nous même entrer nous qui font appel. L'état politique pas fini. Et même si on vient, c'est jouer à jouer dans un compte là. Mais les peuples qui convoquent, ils sont calmement pour prendre l'ordre. Et parfois, ils ne prennent ni monde qui sont au pouvoir, ni monde qui sont en face, ils sont entre eux, devant eux comme petit monde. C'est ça nous demandons pour camper. Ça, ici, qui vous venez entre eux. Je suis Moïse. Où est les États-Unis, ils ne prennent pas le Kenya voyé. Nous-mêmes payants, nous, et puis la Russie nous dit, pas quitter le Kenya passé. Parce que pas venir. Pour venir de nous voir. Mais États-Unis, comme un pays extensionniste, ils veulent mettre main sur tout ça nous gagner. Ils veulent mettre un représentant de pays. Vous allez en dire, ils veulent dépenser 400 millions de dollars américains par an pour tout le cas venir. Alors que, avec 50 millions de dollars seulement, nous allons équiper pour l'instant, hélicoptères, drones, formation, et nous allons jouer une coopération. Pays Brésil qui est expert dans le domaine de ça. Pays de Salvador. Pays Colombie. Alors que reste 350 millions pour cela nécessaire, nous allons acheter tracteur avec elle. Nous allons acheter engrais à l'aide des paysans, tout partout dans le pays, là tout le monde dit tout. Et reste 400 millions encore pour aller venir. Nous allons faire route, nous allons faire aéroport. Mais on peut faire pour nous. Je vous même dit, il y a blanchi 400 millions de dollars par an. Alors que nous songeons, chaque intervention, l'Occident fait, il va porter fruit pour nous. Nous allons gagner même en coude. Nous songeons, ça, nous, ça n'est pas, Charles dit, c'est fait nous. Nous songeons, ça n'est pas, capitaine Bess, c'est fait nous. Nous songeons, Affaire Louis Dès. Nous songeons, Général Santana. Nous songeons, 1915. Nous songeons, Bigny. Nous songeons, Ministre. Nous songeons, Missivi. Ils n'ont pas rien pour nous. C'est le bagaille. Ils ont continué à jouer avec l'image nous. Ils ont continué à jouer avec l'intelligence nous. Maintenant, pour me dénoncer mon saillot. N'a pas fini, sénateur Moïse. Sénateur Moïse, je sais. C'est la tête à passer nous. Peuple haïtien, nous avons un seul choix nous gagner. Filez un peu nous, devant tête nous. Parce que si nous ne faisons pas ça, pas grand monde qui a pratiqué nous dans cette année-là. Sénateur Jean-Charles Moïse. Sénateur Jean-Charles Moïse, je dis à situation en Limalouk, situation en Mangomé.
c'est pas nous même qui pral apprendre nous et tout le monde d'accord à l'unanimité dans niveau ni là nous pas qu'à descendre plus bas. Donc nous pas qu'à dans belle parole, nous pas qu'à dans belle discours, nous pas qu'à attendre parole pour faire si bébé dormir. Nous besoin des actions concrètes qui pour permettre que nous résoudons ensemble de problèmes en d'un pays à cap fait population monter le ciel pas d'eau. Yon là-dedans yo, c'est question insécurité a, c'est question gang exam, c'est question monde qui pas qu'à circuler en d'un pays a. Ou même comme leader politique, comme ancien dirigeant, ou même comme dirigeant de parti, ou même à toute équipe ou, de manière concrète en guise de conclusion, 1 2 3 4 qui ça nous proposer pays a qui capable au moins aider nous résoudre ensemble de problèmes à court, à moyen et à long terme, parce que nous pas qu'à en parler pile toujours, nous pas qu'à faire belle discours toujours, nous pas qu'à chita boire du vin, n'en parler dans radio. Nous besoin des actions. 1 2 3 4 qui ça vous autres au niveau de Petite Dessalines nous préconiser. Vous le donnez bien. Premier bagaille. Tout le monde qui sous place publique yo. Allemand on est devant sous place yo. À le camper devant l'ambassade américain. Deuxièmement, ça qui n'en zone tabayo, ça qui n'en zone quoi de bouquin, à le camper devant l'ambassade américaine. L'autre monde, qui est dans la ville là, à le camper devant l'ambassade Canada, ça son première solution. Deuxièmement, on invite à faire chrétien, à faire vaudouisant, nous tous, en vous seul, leader politique, invitez le compte qu'a fait dans le salon, en ambassade, nous tous, en sortie, si nous tous sortis ensemble, il n'y a pas qu'à éliminer nous tous et à pas éliminer nous. Parce que 86, il va l'être qu'il y a 100 000 dans ma coude. 86, il va l'être qu'on l'amène. 86, il va l'être qu'il y a attaché. Peuple a été qu'il y a volonté, il était à fauteuil. Journalistes, il faut retirer la guerre de sel. Avec Johnny Ferdinand, avec un pilote journaliste. Journaliste, nous, yo, chaque fois que 86 ans ici, nous avons une presse militant, nous avons une presse qui ont même, nous avons défendu le pays. Je dis, la majorité journaliste, c'est zin. Il y a essayé de distraire la population pour l'Occident avec le système. Non. Journaliste, engagez-nous dans la bataille. Vous ne pas, juste le monde attaqué. Alors que, moun ki gen bank yo, moun kap mette en sécurité yo, yo la. Deuxième bagay, fa conseil sécurité yo, yo pren décision. Première décision, arrête 11 moun en de pays yo, qui trouvé yo nan gouvernement, nan élite économique ta, avec nan élite politique ta, qui yo même bay zam yo. Troisièmement, nan voyé pays Brésil, pays San Salvador, pays Colombie, j'ai une porte expertise pour nous. Et qu'on y est là, nous avons délai 3 mois pour tout le monde déposer des âmes. Le monde qui va déposer des âmes, ça qui veut bien arriver. Après ça, Ariel vient pour le parti. Pendant 7 ans, il faut qu'il y ait un autre gouvernement qui peut monter avec un feuille de route pour continuer la sécurité, stabiliser les pays, faire un conseil électoral. Et organiser l'élection de pays. C'est là nous allons. Moi-même, nous écrions, c'est ça nous disons. Nous nous parlons avec nous, c'est ça nous disons. Comme proposition, pas nous. Après ça, question CARICOM, question réforme constitutionnelle. Réforme institutionnelle, c'est blanc qui va se quitter nous dans le statu quo. C'est blanc sous bénédiction. Moun sa yo, que le gouvernement a agi. C'est yon qui mette nous dans ça. Nous restons des marchés internationaux là. Parce que depuis nous, ouais, c'est l'Amérique qui prend une décision. Qu'on n'est pas bon pour nous faire haïtien. Merci. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel par là pour qu'il y ait informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme même voix.